nous. Un ignoble traître. Vous devriez avoir honte, messieurs. On pensait avoir affaire à des vrais hommes. Vous êtes des écrémés. Des homogénéisés. Des 2%. Des crottes de fromage. Normal. Arrête, t'insultes les crottes de fromage. C'est bien ton vrai. Ouais. On vous laisse tout seul 20 minutes. C'est quoi 20 minutes? C'est 140 minutes en année de chien. Ou 7 minutes au micro-ondes. Pendant l'entracte, on a été trahi par un yoplet. Par sa faute, la cause des hommes a reculé d'au moins... 20 minutes! C'est quand même pas si pire que ça, là! C'est déjà trop long, Normand. T'as reculé 20 minutes par-ci par-là, on va se retrouver la semaine passée. Hé! Hey, que c'est bien dit! Oui! Ça veut rien dire, mais c'est bien dit! OK, assez perdu de temps. Faites votre rapport, soldat Normand. Soldat Normand! Ah, c'est moi, ça! Ah, tu vois, je suis pas habitué de me faire appeler soldat. Normand, on est en temps de guerre, pas en temps de guerre. Tout le monde s'appelle soldat. Ben, j'aimerais mieux faire l'Indien. Bon. On est pas ici pour jouer au cow-boy, là. Bon, garde à vous! Garde à vous! Depuis quand tu me dis vous? On va manquer de bord. Garde à tu! Garde à tu quoi? Quoi, garde à tu quoi? Ben, finis ta phrase. Garde à tu, garde à tu, garde à tu les beaux yeux, garde à tu les forts, garde à tu. Ben c'est pas ça, je veux dire. C'est pas garde à tu, c'est garde à vous. Dis-moi, garde à vous. Garde à vous! Hey! Quoi, Normand? Tel que tu me vois là, il pourrait y avoir un ouragan que je clignerais pas des yeux. Hé, hey, fais pas ça! Garde à vous! Hey! Ah, c'est pas. Un autre commandement que tout bon soldat devrait connaître, c'est repos. Dis-moi repos, Normand. Repose-le long, genre, t'as l'air fatigué, là. Normand, dis juste repos. Repos. Admire, Normand, toujours aussi élégant avec une certaine désinvolture. C'est pas mélange, je pourrais poser des catalogues de Sears. Section des bas. J'espère que tu vois bien la différence, Normand. C'est très, très, très subtil. Je vais te montrer encore une fois. Regarde bien. Garde à vous! Repos. Garde à vous! Repos. Garde à vous! Repos. Garde à vous! Repos. Non, c'est pas ça que j'ai bien compris. Bon, moi, encore une fois. Garde à vous! Repos. Garde à vous! Repos. Garde à vous! Repos. Repos. Fais le beau, fais le beau, fais le beau. Donne-le-moi, donne-le-moi. Garde à vous! Garde à vous! Repos. Fais bébé, fais bébé. Garde à vous! Donne-le-moi, fais bébé, fais bébé. Garde à vous! On a compris. Ben oui, Jacques. Alors, c'est pas oui, Jacques. C'est à vos ordres, Jacques. Et c'est pas Jacques. C'est colonel Jacques. Donc, c'est à vos ordres, colonel Jacques. Comment ça se fait que t'es colonel, puis moi, je suis juste soldat? Normand, pour être colonel, ça prend trois qualités essentielles. De l'autorité, de l'autorité... Et de l'autorité! Non. Être beau bonhomme. Moi, je pensais que pour être colonel, ça prenait juste une recette de poulet frit. T'en as-tu une recette de poulet, toi? Non. Bon, ben, t'es juste soldat. Garde à vous! Puis, il y a les humains, là. T'es-tu droite, là? Ouais. Ça doit être le plancher qui est croche. OK, faites votre rapport, soldat Normand. Faites votre rapport. Mais quel rapport? Pas ce rapport-là! Le traître, le rapport du traître. OK, OK, vers 21h04, je me trouvais à la salle d'eau. Vous étiez où? Au coin d'Azance. D'ailleurs? J'étais aux toilettes. Ah. Vous étiez au chat? Comme vous dites, mon cotonnel. Colonel. C'est ça, j'ai dit. J'étais au petit coin quand tout à coup, je me suis rendu compte qu'à côté, dans le cabinet B, il n'y avait pas un, mais deux occupants. Et ce n'était pas des siamois. Négatif, mon solennel. C'était un homme et une femme. Hein? Qu'est-ce qu'il faisait là? Ben, devine, genre, un homme, une femme, un lieu isolé, hein? Il échangeait des recettes de pain de viande. Qu'est-ce que tu penses qu'il faisait? Ah, oh, tu veux dire qu'il faisait le uchi-kuchi? Ben là, je sais pas s'il faisait de la danse espagnole, là, mais... Ben donc, il se faisait aller castagnette, c'est ça? J'en tremble encore! Soldat Normand, garde à vous! Ça sent comme la pine, c'est un hôte de jaguar. Ça, c'est le wiper arrière, ça, là, hein? Elle est d'une Pinto 71, tant qu'à moi. Soldat Normand, avez-vous pu reconnaître les voix? Non, il arrêtait pas de flusher.
Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Ah oui, j'ai pris des notes. Alors, des notes, on n'a pas le temps pour les notes. Ben oui, mon personnel, on a le temps, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Ça a duré juste deux carreaux. Ah, ça n'a pas été long? Non, mais c'est du double épaisseur. Ah ben là. OK, vers 21h04, le traître et la femme sont entrés dans le cabinet B. Vers 21h05, la jungle au complet s'est retrouvée dans le cabinet B. On entendait des... Et là, mon cassonade, c'est là que ça se corse. La femme a dit... Et l'homme a dit... La femme a dit là, là, oh là. Et l'homme a dit oui, oh oui. Et la femme a dit oui, 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 oui. Et l'homme a dit canne à pêche. Canne à pêche, es-tu seul? J'ai mal répété, mais je sais pas pourquoi il m'a pas répondu. Mais je vais vous donner votre copie. Je vais la mettre dans mon cabinet personnel. Remarquez, il a peut-être dit t'as un teint de pêche. Ou il faut que je me dépêche. Ou veux-tu faire un tour de calèche? Peut-être. En tout cas, tout ce qui compte, c'est de te démasquer le traître. Mais non, normal, normal. Là, tu pensais sur à peu près 500 gars dans la salle. Ça peut être n'importe qui. On va en avoir le cœur net. Comment? Nous allons maintenant recréer la scène. OK, correct. Nous allons passer à l'interrogatoire. Jusqu'à ce que je reconnaisse les voix que j'ai entendues dans le cabinet. En commençant par vous, madame! Dites-moi! Oh oui! Si vous le faites pas, vous vous faites lever de vous devant tout le monde! Dites-moi! Oh oui! Ah oui! Non, ça a l'air de ça après, pas pendant! Attends une minute, il y a un monsieur ici qui a fortement réagi. Attends, je vais. Monsieur! Monsieur! Faites-moi un oh oh oh! Oh, oh, oh. Non, vous ferez pas le Père Noël au centre d'achat cette année, là. Tiens, vous, vous, voilà, venez-moi, venez-moi. Oh, oui! Oh, oui! Mais non, celle que j'ai entendue, elle m'a pas autant d'expérience que ça. Normand! Il y a un monsieur ici qui a bien réagi. Monsieur, faites-moi un... Oh, 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 oh. Après la cinquième fois, ça, monsieur, là, hey! Bon, on continue! Normalement, on perd notre temps, tu fais perdre le temps du public, de nous autres, de moi... J'ai une idée, d'abord. On va le faire à tout le monde en même temps. Je serai capable de reconnaître la voix dans le ton, OK? Bien OK, mesdames, faites-moi tous ensemble oh oui! Oh oui! Hé, là, on l'a entendu. OK, maintenant, monsieur, faites-moi un... Oula! Oula! C'est toutes des têtes, tant qu'à moi! Il faut trouver le traître, je te dis, là. Normalement, ça sert à rien, on le trouvera jamais. Il faut trouver le traître! Soldat Normand, repos!